Voilà une superbe évolution du Clermont. Didier, présente-nous ces évolutions. Bah déjà, il a fallu reviser toute la mécanique parce que les roues à aube, elles ne tournaient pas très vite. J'ai mis des caches en plastique pour protéger le pont des éclaboussures, si on peut dire. J'ai mis des personnages. J'ai fait les voiles qui montent, qui descendent. Ah oui. Comme ça, ils fument. Enfin, disons qu'ils fumaient, mais enfin, disons... Si. Et j'ai revu beaucoup la mécanique. J'ai vu le dessous... Va pas trop vite, doucement. Le dessous pour éviter les dérives latérales. J'ai agrandi le gouvernail avec son barreur. Voilà, donc là il est prêt. Et il marche beaucoup mieux que la première fois. Parce qu'il avançait pas beaucoup. Direction New York. Alors refais-moi les voiles, c'est trop génial. Regarde. Les voiles montent, descendent. Ah, il marche super bien. Là, si tu peux prendre un peu de fond de là, bah, je suis bas là. Je suis un peu en contre-jour, mais bon. J'essaie de pas trop. Ah, il y a un léger vent et une légère vague. Ah oui, n'empêche qu'il marche formidablement. Non, non. Là, il y a quand même du vent de travers. Hein. Une marche arrière. Là, il y a le vent là, c'est difficile avec le vent de travers. Mais bon, heureusement que j'ai un peu boosté les moteurs. Le vent il pousse latéralement, donc je vais revenir à fond. Ah bah c'est sûr que les voiles te gênent d'autant plus. Non, non, je ne pas, mais le vent le pousse latéralement. Voilà, il revient à fond. Avant c'était impossible à faire. Hein. C'est l'avantage quand tu es en vent arrière d'avoir les voiles. Là, il s'est levé latéralement. Alors que... Il s'est levé latéralement. Ouais, mais t'as aucun souci pour le ramener, il n'y a pas de souci. Tu vois, les roues tournant beaucoup plus vite pour qu'il avance, il a vraiment fallu faire des caches transparentes. Tu vois, il y a le vent. Bon, ben, c'est bon. Ouais. Ok, bah écoute, il est super. Bah, allez, refais-moi une dernière fois les voiles parce que c'est vraiment trop chouette. Hein. C'est vraiment un superbe travail, ouais, vu la taille. Vent, rappelle-moi la taille de ce bateau. C'est 45 cm de long pour 360 grammes, tout fini. Radio, 360 grammes tout fini. Bateau, radio, tout. 45 de long et combien de large? 6 cm de large. 6 cm hors roue, hein, bien sûr. Voilà, 45 cm de long et 360 grammes pile poil. Tout fini. C'est une boîte de chez Lindbergh. Magnifique. Trafiqué. Ah là, mais formidable. Eh bien écoute, merci beaucoup Didier, au revoir les amis.